Felice Mazou, ce soir, le Sporting se qualifie pour les huitièmes de finale. Votre analyse du match ? Mais si les gens qui n'ont pas vu le match et qui voient que le résultat, ils peuvent se dire que c'est bien. Moi, je ne suis pas entièrement satisfait parce que dans le contenu de ce qu'on a montré, pour moi, on a eu de la suffisance et on a manqué de passing, on a manqué de mouvement et on n'a pas toujours fait les choix justes dans le passing. Ça m'embête un peu. Maintenant, je sais que voilà, il y avait quelques changements dans l'équipe. Il y en avait 7 par rapport au match de dimanche. Donc, ça a une répercussion sur les automatismes, ça c'est sûr. Après, voilà, quand on regarde les autres matchs de coupe, on voit que les grosses écuries ont été en difficulté. Donc, voilà, on va oublier le contenu et la prestation et retenir que le résultat. Mis à part Ostende, toutes les équipes de D1 se sont qualifiées. La prochaine rencontre de la Coupe s'annonce moins facile. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, vous savez, en football, le football est bizarre. Aujourd'hui, on joue dans un stade presque vide, contre une division 3. Même si les joueurs sont prévenus, même si on leur a fait une théorie presque sur le mental, inconsciemment, voilà, ils sont habitués à jouer dans des stades un peu plus pleins avec de l'engouement. Il n'y en avait pas autant. Si on va avoir un gros adversaire, ça c'est sûr. Voilà, les paramètres qui engloberont le match prochain seront différents. Et donc, j'espère qu'on sortira une prestation plus à la hauteur que celle d'aujourd'hui. Les supporters n'étaient pas énormément présents, vous venez de le dire. Mais on peut quand même souligner qu'ils ont donné de la voix et qu'il y avait une bonne entente entre les supporters. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à remercier le public qui était là pour Charleroi, en tout cas, et la T4, ils sont toujours présents et je les remercie. Ils ont chanté, ils ont été positifs, ils ont encouragé les joueurs. C'est quelque chose de magnifique. Après, effectivement, on a vu en fin de match qu'il y avait une super entente entre les supporters de Wallin et les supporters de Charleroi. Une entente de club wallon, finalement, c'est ce qu'on peut retenir. Le fair play, le sport ressort gagnant, c'est bien. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be/rcsc.